Bonjour, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Bah, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite le meilleur, la santé et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous allons parler de deux personnes rapidement. J'espère que ça ne va pas retarder. Avant quoi que ce soit, avant nous avions parlé de ça, le remaniement. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite ce direct et qu'il me protège si je suis vraiment avec lui. Et si je suis un de ces éléments, Inch'Allah. Donc, nous avons parlé du remaniement ministériel, on s'est dit, on a dit, si ça fait un an, il faut maintenant qu'il y ait un remaniement. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, c'était pour signaler à tout le monde, peut-être, bon, il y a des gens qui le savent, ben, il faut le valider aussi, il faut le confirmer. Que, en fait, ce gouvernement de CNRD que nous avons aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le vrai gouvernement, en fait. Vous devez vous en douter et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je signale le vieux Comora dedans? Et pourquoi je signale Amara Kamara? C'est par rapport à ça, parce que, bon, il y a d'autres personnes, certainement. Mais ce sont les éléments clés de cette histoire. Normalement, il y avait une liste, une première liste, des vraies personnes qui devaient être nommées, plusieurs personnes, ça fait froid dans le dos, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement changé les noms, ils ont mis les noms qui les intéressaient. Les noms, bon, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ils ont barré les noms, ils ont mis autre nom, d'autres noms. La première personne qui s'occupait de ça, qui s'est occupée de ça, c'est le vieux Comora que vous connaissez. Voilà, qui a amené ces gens parce que par rapport à l'argent, parce qu'on leur a payé, ils ont été payés. Amara aussi, Amara Kamara, le colonel, je pense qu'il est colonel, voilà, qui est vraiment un des acteurs de cette histoire. Donc, comment nous pouvons avoir un bon gouvernement ou comment nous pouvons avoir les choses correctement si les gens ne sont pas à leur place? Voilà. La plupart. Moi, je pensais, j'ai souvent dit que 90% de ceux qui sont nommés et reçus, tout confondu, de préfet à sous-préfet, à bon, tout ce que vous savez, ce ne sont pas les vraies personnes. Mais moi, j'ai discuté avec quelques personnes depuis que j'ai commencé ces jours-ci, qui m'ont dit, effectivement, c'est vrai, mais c'est 90% qui sont faux. C'est-à-dire, donc, c'est moi-même, je suis très gentille. Donc, il n'y a que 2%. Parmi leur gouvernement là, il n'y a que 2% qui sont à leur place. Comment voulez-vous que les choses se passent comme il faut que ça se passe, comme ça se doit que ça se passe? Ça ne peut pas se passer comme il faut. Vous comprenez? Ça, c'est une logique, ça, c'est une normalité. Donc, si aujourd'hui, le monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, on n'est pas très amis, hein, vous le savez, mais il faut dire ce qui est, il essaie de se débrouiller, il se débrouille. Voilà, c'est ça, il est général maintenant, voilà. Il paraît que c'est dans ça qu'il s'est enrichi. Merci beaucoup, Karissi. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. C'est dans ça que Amara s'est enrichi. 30 000 dollars, 50 000 dollars. Il y a même des gens qui ont été nommés que lui, il a contactés. Il les a contactés. Ton nom est là, mais il faut donner tant. Mais les gens lui disent que, la personne lui dit que, mais mon frère, mon nom est déjà là-bas. Pourquoi tu veux que je te donne ça? Moi, je n'ai pas l'argent là. Ah, si tu ne payes pas, on va te barrer. Maintenant, tout ça, là, c'est bien. On va dire comme ça, c'est le français. Je ne veux pas valider, c'est une façon de parler. Maintenant, au bout d'un an et demi, l'équipe là a fait quoi? Parce que c'est là-bas que nous sommes maintenant. Si au début, on se dit, oh, ok, peu importe, qu'on ait changé les noms ou pas, qu'on ait acheté des places ou pas, peu importe, on va les laisser, c'est leur chance, c'est leur destin, parce que c'est écrit comme ça, c'est ce que nous allons dire. Mais au bout d'un an et demi, si nous voyons que les choses se compliquent, bon, en tout cas, ça ne va pas, ni pour eux, ni pour qui que ce soit, ça ne marche pas. Merci, Amadou. Comment tu vas, mon frère? Donc, à l'instant T, jusqu'à aujourd'hui, ils ont leurs mains dedans encore. Parce que ceux qui doivent être changés, comme on a dit que non, 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 il faut rester là, il faut garder la personne d'abord un an ou bien 6 mois. Et Mamadi Doumbouya reste sur ça. Amara, bon, le monsieur dit qu'il est général. Effectivement, c'est vrai, j'ai oublié, il est devenu général. Donc, toujours, ils ont la main dans l'affaire. Quand je parle toujours de religion, vous dites non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un musulman, même si celui qui a son nom sur la liste n'est pas musulman, si toi tu crois en Allah, tu peux faire ça.
Tu bats le nom de quelqu'un parce qu'on va te payer. Et les, ce sont des gens qui se sont battus. Hein. Quand on va vous dire la vraie liste du CNRD, là, la bagarre n'a pas commencé. À la au Mali. Non. Amour, on va dire. Mais comme Allah sait faire les choses, ça ne se passe pas correctement. Tout le monde voit leur incapacité. Mais mes chers frères et sœurs, vous avez payé 50 000 euros, vous avez payé 50 000 dollars, vous avez payé 30 000 dollars. Moi aujourd'hui, je suis très gentil. Il y a des gens comme moi. Nous aussi, nous disons, vous avez amorti votre argent. Ce que vous avez payé là, j'espère que tu vas bien aussi. Ce que vous avez payé là, au bout d'un an, et demi, je crois que nous nous sommes gentils. Ou bien, nous sommes gentils parce que nous, on vous a laissé pour se dire, ah, moi, peut-être ils ont une certaine capacité. Ah bon, peut-être, ah, bon, on va voir. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Ça ne va pas. Pour vous-même, ça ne va pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à être tranquille parce que vous ne faites pas les choses correctement. Maintenant, si vous aviez fait les choses correctement, moi, j'allais avoir honte de dire ça aujourd'hui. Quelqu'un d'autre allait avoir honte de le dire pour dire, ah, non, vraiment, madame, les gens là. C'est pourquoi c'est seulement les anciens projets qui sont là et ils n'ont pas d'idée. C'est même pas qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Vous les voyez sortir, vous les voyez chercher des marchés. Non, ils n'ont aucune idée. C'est ça, c'est là le problème. Vous voyez, quand moi je fais mes vidéos, j'analyse. Les gens copient les analyses. C'est pas grave. Il y a des gens même qui ont fait de moi leur commerce. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, si toi, maintenant, qui fais ça, on te prend. On t'amène dans une salle maintenant, chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà l'ordinateur ou voilà le téléphone. Voilà n'importe quel sujet. Analyse par toi-même, tu ne peux pas. C'est dans ça que Mamadou Doumbouya s'est retrouvé. Quelquefois, il n'était pas au courant. Bah, il faut dire la vérité. Quelquefois, il était au courant. Mais nous allons dire au début, c'est les armes qui parlent. Il faut que lui aussi il se positionne. Il faut qu'il sache quoi faire. Ce n'est pas évident. Mais au bout d'un an et demi, c'est lui ou eux. Donc sortez-nous la vraie liste là. Même si c'est un Japonais qui est sur la liste là. Ou un Australien qui est sur cette liste là. Qui peut aider les Guinéens. Qui peut nous sortir de cette situation là. Qu'Allah fasse venir l'Australien et le Japonais et le Chinois là. Parce que quand ton propre frère guinéen n'a pas pu t'ouvrir la porte de Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'un Français puisse l'ouvrir, qu'un Burkinabé puisse te l'ouvrir ou un n'importe quel, toi tu veux le bonheur. Ou bien tu veux le bonheur qui vient coûte que coûte de Marie Sissoko parce qu'elle est guinéenne. Prends le bonheur qui vient de même qui là. Prends ce bonheur là, tu passes ta route. Mais si tu veux coûte que coûte le bonheur de Marie Sissoko, parce qu'elle, elle est Sissoko, qu'elle est guinéenne, et Marie Sissoko n'a pas la capacité, c'est toi qui vas souffrir. C'est dans ce problème-là que nous sommes. Les gens ne sont pas à leur place. 90% mardi, c'est pas 90%, c'est 98%. Abri place, Sarahi. Abri affinité. Ils ne savent même pas où commencer. Là où tu ne sais pas où commencer, comment tu vas savoir là où terminer? Mais le vieux Komara là, je ne sais même pas d'où ce vieux-là sort. Parce que je n'ai pas compris. Mais c'est ce que je dis souvent. Un coup d'État, nous là, ce que nous avons vu le 5 septembre à la télé, c'est ce qu'on sait. Ce qui s'est passé en coulisses, on ne peut pas le savoir. On peut avoir des informations. Chacun dit comme ça l'arrange. Chacun dit comme il veut. Chacun dit comme il veut. Allah seul connaît la vérité dans l'affaire là. L'affaire de coup d'État, ça c'est entre eux là-bas, c'est les militaires. Mais voir quelqu'un, des gens qui viennent changer, falsifier une liste, tandis qu'il y a des gens qui se sont battus, vous pensez qu'Allah va vous donner la paix dans ça? Allah aussi a ses méthodes, il a ses routes, il a ses techniques, il vous a coincé. Ok, on vous a donné les places, mais là il faut travailler. Ah, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an et quelques, toujours. Je ne sais même pas si c'est le stylo qu'il faut prendre ou si c'est crayon. Ah, ils font que c'est sapé, les jeudis, défiler de mode et bon, faire les trucs. On n'a pas besoin de ça. On a regardé ça un an et demi, c'est bon. Vous êtes bien sapé, c'est très bien. Beaucoup ont grossi, beaucoup sont devenus propres.
C'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que, même si ce n'est pas moi, la majeure partie des Guinéens, je ne pense pas si ça règle leur affaire. Non, votre sape là, non. D'ailleurs, ce n'est même pas les choses qui sont à la portée du Guinéen lambda. Puisque si c'est les tissus Guinéens là que vous portez, comme ceux que moi je porte là, les 300 000, 500 000 là, pour aider mes soeurs, vous avez même le complexe là. Moi, on dit que je suis pauvre, mais je porte ça. Sinon, je peux me dire deux, trois fois dans l'année, porter un truc de 400, 500 euros, je peux le faire deux, trois fois dans l'année. Mais pourquoi? J'ai des soeurs qui travaillent. Regardez notre sorcellerie. Nous avons nos soeurs qui travaillent. Pourquoi vous ne portez pas leur... C'est-à-dire pour que le Guinéen lambda se retrouve dans votre gouvernement. Mais non, vous faites les... Vous avez tous la conflite. Bonjour, bonjour, bonjour. Wallahi, moi-même, je cherche Dr Fakoli. Quiconque me regarde, si vous avez le contact de Dr Fakoli, il était à Beaune, je crois, je ne me rappelle plus, à un moment donné, il m'a dit qu'il travaille maintenant, qu'on l'a muté en Belgique. Je n'ai aucune nouvelle, docteur Fakoli. Wallahi, wallahi. Moi-même, je le cherche. Celui qui l'attrape, il faut l'attraper par le cou là-bas. Tu l'amènes par ici. Hein? S'il vous plaît. Je n'ai aucune de ces nouvelles. Aucune, aucune. Wallahi, wallahi. Donc, globalement, c'est ça la conclusion. Essayez CNRD, Amara Kamara, l'autre là, le vieux qui était avec Dadis. C'est-à-dire, quand vous, c'est-à-dire vous là. La Guinée appartient à vos papas. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Maître Kano, comment tu vas, mon frère? La Guinée, là, c'est pour vos papas. Parce que quand tu parles, on va dire que la dame, là, elle parle mal. Non, c'est-à-dire quand tu vois certaines choses, vous voulez falsifier les destins des gens. Mais je veux que vous reteniez une chose. Je vous ai dit, chaque étape de notre histoire, ça apporte quelque chose. Aujourd'hui, on voit à peu près ce que certaines personnes sont capables de faire. Mamadou Doumbouya aussi a amené sa technique. Hein? Oui. Lui aussi, il a amené sa technique qui fait qu'on a démasqué certaines choses et certaines catégories de personnes. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça en Guinée. Non. Falsifier là, les remplacements là, ce n'est pas la première fois. Les Guinéens sont habitués à ça. Mais vous savez, tous les comportements on monte les grades, quoi. Cette fois-ci, là, il paraît que c'est exagéré. Ils ont carrément tout. C'est-à-dire, rien n'est à sa place. Pensant qu'ils peuvent s'en sortir avec ça. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous pouviez, dis donc, un an et demi, ce n'est pas deux jours. Ce n'est pas trois jours. Un an et demi permet d'avoir une idée de la capacité d'un être humain. Même si ce n'est pas 100%. Partout où moi je vais travailler, même si ces vidéos-là, que je fais ici, je n'ai pas beaucoup de monde. Mais il y a les gens sensés qui vont dire, oh, la dame-là, elle ne réfléchit pas bien, ou elle réfléchit bien, ou elle est bête, ou elle est intelligente, ou elle n'est pas intelligente. Ils ont une idée au bout d'un an et demi, même 6 mois. Donc, dégagez le plancher. Parce que si Mamadi Doumbouya ne règle pas l'affaire-là, ça ne dit pas qu'il ne va pas quitter le pouvoir. Lui et moi, notre affaire-là, ça c'est entre nous. Ça, c'est un autre débat. Mais comme les gens, dans les commentaires, et les gens appellent aussi, que l'affaire de remaniement là, d'appuyer sur ça, que parce qu'avec un coup d'État, c'est les démocrates qui vont s'ouvrir, parce que chacun se débrouille ses intérêts à l'interne. Que mais si peut-être le gouvernement quoi, de national, là, gouvernement de, bon, le truc national là, un peu de partout, les vraies personnes, ça va peut-être l'aider. Peut-être, parce que quelqu'un est en train de pleurer quelque part parmi vous. Inconsciemment, son âme pleure. Il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas pourquoi. Si c'est quelqu'un d'Allah, vous pensez que ça peut faire du bien à un pays, à plus forte raison à un gouvernement, à plus forte raison à un être humain? Qui sait? C'était quoi les places de Fonike Mengele? Qui sait ça? Qui le sait? Regardez Ousmane Gawal, toutes les bêtises qu'il est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, si le CNR n'était pas venu, hey, il faut regarder le bon côté aussi quelquefois de certaines choses. Quelque chose de malheur est bon. Si le CNR n'était pas venu, moi, Marie Sissoko, Ousmane Gawal, personne ne va me convaincre sur ça. Ce qu'il fait aujourd'hui. Personne n'allait me convaincre dessus. Mais regardez le comportement. Regardez les choses, comment ça se passe. Pour qu'on sache que lui aussi, il est venu pour nous montrer certaines choses qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un d'autre aussi va venir. Nous allons apprendre, nous, Guinéens, entre nous, à nous connaître la capacité de chacun.
vous avez une liste. Ce n'est même pas deux, trois personnes que vous changez. Ce n'est même pas que des gens que vous allez nommer ou faire l'interview pour voir. Bon, je ne sais pas moi. C'est carrément barré. C'est carrément changé. C'est carrément enlevé. Et Allahu Akbar. Allez. Vous n'allez pas vous en sortir, Inch'Allah. Allah n'a pas créé tout le monde de la même manière. Je vous ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui se sont battues à des degrés différents. Peut-être moi j'ai apporté 2%. Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui a apporté 50. Il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être malade aujourd'hui qui a apporté 80. J'en sais rien. Vous avez des gens parmi vous là-bas qui n'ont, c'est-à-dire, c'est même pas dit que quelqu'un a apporté même. Qui ne savait même pas qu'il y avait lutte. Pour dire que quelqu'un a apporté une lutte, il faudrait qu'il soit au courant qu'il y a une lutte. Mais s'il n'est pas au courant qu'il y a une lutte, il va apporter comment? Il ne va pas apporter, il ne peut pas apporter. Donc c'est ceux-là qui se retrouvent là-bas aujourd'hui. Alors mes chers frères et sœurs du CNRD, gouvernement là, vos 30 000 euros, 50 000 euros là, c'est fini. Vous avez votre manancouille là, votre fonds de commerce là, vous avez fructifié, c'est bon maintenant. C'est bon. Voilà. C'est bon, c'est terminé. On ne peut pas fonctionner comme ça. Tout a été changé. C'est même pas seulement... comment on appelle ce que je disais là? C'est même pas seulement la liste là. Hein. Il y a d'autres choses aussi qui ont été changées. Voilà maintenant. C'est-à-dire, c'est comme si on te donne une notice. Tu dis que non, la notice là, le produit est venu avec une notice. Non. Toi, tu vas fabriquer une notice. Bon, c'est même pas le fabricant même, c'est toi-même qui décide, toi tu fabriques une notice. Maintenant, tu veux prendre le médicament, là, avec la notice que tu as fabriquée, ça ne donne pas. Ça aggrave ta maladie, c'est dans ça ils sont. C'est ce qui se passe actuellement, et c'est très chaud. C'est chaud de chaud. Qu'Allah les guide, qu'Allah les aide, qu'Allah fasse que, tout ce que moi je peux dire, que les gens qui sont valables, qui qu'ils soient, qui, même si c'est mon dernier ennemi, Allah seul sait, si c'est lui qui peut faire quelque chose pour ce pays-là, pour que les Guinéens aussi disent, il y a un peuple qui se plaint plus que les Guinéens. On pense quelquefois, tu te dis que la plainte même là, c'est par habitude ou bien c'est parce que ça ne va pas. Tous les régimes, tu te plains. Mais c'est normal. C'est normal que tu te plains. Ousmane Gawal est menacé par le CNRD. Il n'a rien de responsable, on le soutient totalement. Gando Diakité, il faut soutenir Ousmane Gawal. Tu as raison. Moi, je ne le soutiens pas. Et ça m'étonnerait que ton soutien là a pu s'apporter quelque chose. Ousmane Gawal n'est... Quelqu'un peut prendre Ousmane Gawal en otage. Ousmane Gawal que tu connais là. Ousmane Gawal. Quelqu'un peut le prendre en otage. Ah ouais, c'est pas un homme. Mais tu démissionnes. Et on va le prendre en otage, pourquoi? Parce que Ousmane Gawal apporte quoi d'extraordinaire, mon frère? Il faut se dire la vérité. Leur gouvernement là, il n'y a même pas 5 personnes à garder là-bas. Logiquement, 5 personnes à garder. Concrètement, parce que même si tu aimes quelqu'un, moi tu n'aimes pas Ousmane Gawal plus que moi. Quand Ousmane Gawal était en prison à l'époque, toi tu disais quoi? Honnêtement, tu étais de quel côté? Il faut, au fond de toi, dis-moi, entre Allah et toi, à l'époque, tu étais où? C'est-à-dire ta position quoi? Ta position était quoi? Ah, moi ici là, on m'a beaucoup insulté quand Ousmane Gawal était en prison. On m'appelle le téléphone aussi, on m'insultait. Donc ce que j'ai dit là, c'est mon droit. Ousmane Gawal ne se comporte pas bien. Il a trop de problèmes. Trop de problèmes. Et c'est l'un des gros problèmes du CNRD, c'est Ousmane Gawal. Je vais te dire ça aujourd'hui. Il n'est pas le seul, hein. Mais il a sa part de pourcentage dedans. Eh hey, mon frère, ça fait un an et demi, c'est pas petit. C'est pas le seul Guinéen. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Leur capacité, là, on a vu ça. Si toi, tu es satisfait, moi, je n'ai pas de problème. Si tu es satisfait d'Ousmane Gawal, il faut te débrouiller, regarde, rester là-bas. Moi, c'est ça mon problème. Moi, je dis aux gens, moi, je suis contre telle chose. Je me bats. Toi aussi, tu es pour. Tu te bats pour que ça se réalise. Moi, je me bats pour ne pas que ça se réalise. Celui que Allah aide, il va gagner. Mais là où nous sommes, là, nous ne sommes pas dans les histoires d'affinité. Ousmane Gawal, c'est quelqu'un qui se bat pour la démocratie. Si aujourd'hui, ce qu'il fait là, moi je dois faire ça. Moi je ne suis pas démocrate. Quand je fais ça,
faire le comportement de Ousmane Gawal un de ces jours, on va dire, ah, pourquoi vous... La dame là est contre la démocratie. Mais Ousmane Gawal, non, mon frère, tu as bien fait de dire ça. Nous allons avancer. Ce qui se passe aujourd'hui avec la presse, je ne voulais même pas toucher ça. C'est pourquoi il y a des commentaires des gens. C'est pas mal. Il ne représente rien à Aliou Camara. Rien. En tout cas, il n'est même pas seul. Un an et demi, mon frère, c'est pas petit. Nous ne sommes pas dans un mandat de 5 ans renouvelable. Non. Nous sommes dans une transition qu'on a dit peut-être 3 ans. Certains sont même contre ça. On a un an et demi. Vous pensez que si le CNRD part, les Ousmane Gawal l'avaient la fait. Tu sais tout ce que Ousmane Gawal a ramassé. Tu sais ça. Alors renseigne-toi. Ce qu'il fait à la presse aujourd'hui. Gorgo Souseli. Ousmane Gawal, ce qu'il fait à la presse aujourd'hui, les mots même même ce qu'il dit là. Mes frères et sœurs, je vais vous signaler un point. Merci beaucoup, mon frère. C'est répétitif. Le problème guinéen est répétitif. On dirait que c'est mental. À un moment donné, M. Alpha Condé a fait exactement la même chose. Exactement. Ça a empêché son départ. Ça n'a pas empêché son départ. Nous allons prendre les médias sociaux. Toutes les personnes que eux ils pensaient que c'est eux qui vont les enlever, qui avaient de la visibilité, parce que les gens pensaient, ça a changé. Avant, les Guinéens pensaient que c'est affaire de visibilité. Aujourd'hui, ils ont compris que c'est pas la visibilité. Beaucoup de personnes ont compris que c'est pas la visibilité. Toutes les personnes avant qu'on pouvait dire qu'ils peuvent rendre, ils peuvent perturber le pouvoir de M. Alpha Condé, ils étaient hors jeu, il faut se dire la vérité. Certains étaient partis en prison. À leur retour de prison, c'était silence. Pour eux, M. Alpha Condé allait mourir au pouvoir. Donc, pourquoi se fatiguer? Mais ceux qui parlaient beaucoup avant, ceux qu'on disait que c'était eux les je ne sais pas comment on les appelle, les guerriers, mais ils n'ont, à la dernière minute, ils n'ont pas participé. Comment toi, tu peux savoir ça? M. Alpha Condé ne s'attendait plus à sa chute. Non, c'était terminé pour lui, c'était bon. La presse était, voilà, la presse, on revient à la même chose là. Mais comment un être humain ne peut pas avoir la faculté mentale de se dire non, écoutez, laissez la presse tranquille. C'est pas la presse qui va vous faire tomber. Non, c'est la main droite. Kunta quoi là? Dalaba, c'est la main droite, c'est la caméra qui sort droite, c'est la caméra qui sort gauche droite, c'est ça. Je suis obligée de dire ça à chaque vidéo. C'est la caméra qu'il faut faire le réglage et moi aussi, j'oublie tout le temps de faire ça. Excuse-moi, c'est la main, c'est pas la main gauche, c'est la main droite. Il faut mettre, franchement, aujourd'hui, la presse là va faire quoi? Tu vas les laisser parler tous les jours, matin, midi, soir. Tu penses que c'est la presse qui va te faire tomber? Mais c'est-à-dire, il n'y a personne pour dire aux gens quelquefois de réfléchir. Hein? Vous avez payé, le CNRD a payé beaucoup d'argent pour faire taire ces gens de la presse là. Maintenant, c'est complet. Maintenant, c'est les attachés. L'argent n'a pas pu. C'est les attachés maintenant. Mes frères et sœurs du CNRD, celui qui va venir vous prendre, j'ai dit ça fatigué, même si c'est coup d'état, vous n'allez jamais le voir. Même si tu manges avec lui, tu dors avec lui tous les jours, tu ne vas pas l'arrêter. Sinon, mon mari nous mouille, tu n'allais pas avoir le pouvoir. Fiu, 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 fiu. Mais, c'est-à-dire, l'imania, il n'y a pas de l'imania. Il n'y a pas de l'imania. Khaïmou la la, khaïmou l'imania. Khanama, miri, kili, efface, féliste, ma. Miri, mon narabama. Tu te dis, ah, ça, c'est des gens qui se sont battus par la logique des choses. Allah peut nous punir. Et khaïmou, mon mousse, roudé. Qui que ce soit, parce que mes daki, kolo, tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne connais pas leur relation avec Allah. Tu ne sais pas ce qu'ils ont apporté, pour que la force qu'ils ont apporté pour que vous veniez. Une force vous a amené au pouvoir. Vous vous débarrassez de cette force-là. Vous allez gouverner comment? Ça, c'est la logique. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou que tu n'aimes pas quelqu'un. Vous avez fait une réunion. Nous sommes en train de faire notre réunion là. Ce que nous sommes en train de dire ici, si ce n'est pas public, si c'est privé, nous qui avons participé à la réunion, nous seuls, nous le savons. Nous seuls, nous le savons. Ok. Nous allons terminer la réunion. Le chef de réunion fait quoi? Ou quelqu'un parmi nous, parce que lui, je ne sais pas, c'est un Comora et c'est un Amara, se dit, ok, bon,
les gens qui ont participé à la réunion là, il faut les charger. On prend d'autres personnes, on les amène. Ok, maintenant, vous êtes venus. Nous allons commencer la séance de travail où nous allons commencer, je ne sais pas quoi là. Vous allez commencer comment? Ceux qui se sont dit, vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant? Il faut recommencer tout ça. Pourquoi recommencer tout ça? Les gens qui étaient là, tu peux peut-être les changer. Certains. Un petit pourcentage. Mais pas tout. Tadir, Alanangira, Yerabiki. Vous ne pensiez pas qu'aujourd'hui allait arriver. Que vous alliez être bloqué. Que même entre vous-même, ça ne peut pas aller. Les gens qui se groupent pour faire ça, comment vous allez vous faire confiance? Moi, je te triche, tu me donnes l'argent, je bouffe. Quelqu'un d'autre va me donner l'argent devant toi. Tu vas dire, la dame, elle est très malhonnête. Hein? Moi, elle me l'a fait, tu lui donnes, elle va bouffer. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, il y a certains parmi vous ici qui vont regarder cette vidéo. Et je suis désolée. Vous étiez appelé à être ministre. Vous étiez appelé à être directeur de cabinet. Vous étiez, je ne sais pas, appelé à être conseiller. Ou regardez Amara là où il est. Amara, toi, tu n'es même pas. Le monsieur là, il n'y a pas plus nul que Amara. Il est vide comme pas possible. Là où tu es obligé de passer par Kiridi, monsieur 24 points. Honnêtement. Mais c'est-à-dire, quand moi je vais parler, je vais toujours dire, les Guinéens, rapprochez-vous d'Allah. C'est ce qui fait que nous sommes dans ce genre de situation. Sinon, si ces gens-là étaient des bons musulmans, wallahi, ou bien un seul croyant était parmi eux, un très très bon, il allait dire non, laissez les noms là, essayons-les. C'est eux qui ont fait que nous sommes là. Ceux qui ont fait que vous êtes là-bas, c'est eux qui peuvent vous donner des idées. Parce que c'est eux qui savent pourquoi ils vous ont appelé. Ou bien c'est vous qui leur avez dit de vous appeler. Non, c'est eux qui vous ont appelé. Alhamdulillah, ma maman. C'est la presse qui... Tout, c'est ce que je te dis. Je te dis, c'est beaucoup de personnes qui les ont appelés. La presse, les hommes politiques, les médias sociaux, les médias sur place. C'est tout un groupe. C'est ce que j'explique. Peut-être que c'est difficile à comprendre. Chacun a apporté son pourcentage. 2%, 10%, 20%, 50%, 30%, 0,1%. C'est tout ça qui a fait le gros morceau là. Et puis ça fait boum. Toi, tu es venu. Maintenant, quand tu liquides tout le gros morceau là, tu fais comment? C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est logique. Vous allez gouverner comment? C'est impossible. Bien de ça, monsieur conseil. Bien de ça m'apporte quoi à la jeunesse? C'est-à-dire, en Guinée, la jeunesse, c'est le conseil. Concrètement, ça vous apporte quoi? Non, nous allons parler logiquement. Moi, Bin de Sam, c'est quelqu'un que je connais. Hein? Mais il est nul. Il faut le dire. Au bout d'un an et demi. Là, on peut dire ce qu'on veut. Hein? Personne ne va dire que la dame, elle est pressée. Un an et demi. Non. Plus même. Donc, sortez la liste là, avant que le feu ne vienne. Parce que quand moi, je viens avec mon feu là, c'est pas la liste qui va brûler. Ça sera votre groupe qui va partir, Inch'Allah. Votre groupe n'a qu'à partir. Ousmane Keita, merci beaucoup. Votre groupe n'a qu'à partir. Vous connaissez la vraie liste. Moi, je ne la connais pas, go. Parce que les gens qui parlent là, oui, c'est la malédiction. Les gens qui parlent là, il y avait tel, il y avait tel, il y avait tel. Moi, je ne crois pas à 100%. Vous savez, nous là, on parle trop. Je ne crois pas à 100%. Mais je sais quand même que ça a été falsifié. Les vrais noms là, je ne sais pas tout d'abord. Mais nous sommes dessus, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Nous allons terminer ici. Toutes les personnes qui ont des doutes qu'ils devaient être là-bas, ce n'est pas pour aller au maraboudé. C'est prier, jeûner. Ce que vous avez fait là pour qu'ils viennent, faites ça encore. Que Allah n'a qu'à juger entre vous et eux. Si Allah seulement, si seulement, si vous avez un petit destin, un petit bonheur, une petite poignée de positivité à apporter à ce pays et que quelqu'un est en train de bloquer, peut-être c'est moi, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un ici. Je ne sais pas. N'importe qui que ce soit. Qu'Allah débloque la situation. Pour que tu puisses faire ta mission qu'Allah t'a donnée. Parce que c'est des missions qu'Allah donne. Toi, tu dois être préfet. Toi, tu dois être préfet à Forcaria. La taille de Forcaria, tout. Allah seul sait ça. C'est ton destin.
Quelqu'un dit que non. Parce qu'on modifie, on essaie de modifier le destin. On ne le change pas. On essaye avec les faux trucs qu'ils font. Ça, c'est Satan qui fait ça. Ah non, non, non. Fourkalia. Fourkalia, pas trop d'argent. Moi, je vais à la Sigiri, là où il y a l'or. Amenez-moi là-bas. Toi, tu peux supporter Sigiri. On t'amène à Sigiri. Maintenant, des gars, tu peux rien faire. C'est ce qui se passe. Ah non, non, moi, ce monsieur-là, je le connais. Quand on voit les Morikonde, on leur donne beaucoup de choses à partir de Sigiri là-bas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas combattre les gens pour une chose. Vous, vous faites pire qu'eux. Les gens qui sont élus là, même s'ils ne sont pas vrais, vrais élus, c'est trucage, parce que c'est ça l'Afrique. C'est les trucages qu'on fait, ils viennent au pouvoir. Mais c'est les gens qui ont des partis politiques de base. C'est ce que le CNRD l'a oublié. Vous n'êtes pas un parti politique. Vous allez voler 1, 2, 3, 4, 5 sur tous les partis politiques. C'est eux qui vont vous donner un peu de force avec l'aide d'Allah. Mais un parti politique, quel que soit, quoi qu'il arrive, il a ses militants de base. Quand on ne comprend pas. Donc c'est Allah seul qui peut vous sauver. C'est pourquoi tout mon conseil, rapprochez-vous de lui. Mais vous allez vous rapprocher de lui comment? Vos éléments là même, ce n'est pas les vrais éléments. Donc là, vous êtes avec Satan. C'est vous-même qui l'embrassez tous les jours. Ça ne peut pas aller comme ça. Tout le monde ne pardonne pas. Peut-être moi-même, je devais être conseillère de Mamadi Doumbouya. Allah seul sait. Je peux faire ça à distance. Je l'appelle tous les matins. Tu as prié? Tu as fait prière de nuit? Quand je me lève la nuit, message. Message le président. Il est l'heure de prier. Moi, c'est ça mon rôle. Il faut s'habiller comme ça. Il faut s'habiller comme ci. On ne fait pas rentrer ça dans la mosquée. On ne fait pas ci. On ne fait pas ça. Ta femme ne doit pas s'habiller comme ça. Tes enfants doivent changer de coiffure. Force spéciale, là, ils n'ont qu'à changer de coiffure. Je peux faire ça à distance. Je suis là où je suis, n'importe où dans le monde. Peut-être que c'était mon rôle, Allah se le sait. Maintenant, les marabouts aussi ont pris ça. Hein? Peut-être que mon hacker aussi est en train de jouer là-bas. Allah se le connaît la vérité. Père Soum, n'a qu'à rien voulu. Mais c'est la vérité. Moi, comme nous, nous sommes tombés. Et vous allez tomber pour les masses tombées. Alors, moi, ma place, ce que je mérite, en halal, j'ai dit des halal. En halal devant Allah. Qu'Allah fasse que je la récupère. Si c'est l'argent que vous avez donné à quelqu'un de me donner, il ne m'a pas donné go. J'ai dit devant tout le monde ici, il ne m'a pas donné. Qui que ce soit qui vous dise que c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est ma cousine, amenez-moi, je vais lui donner. Il ment, il ne m'a pas donné. Je profite ici. Ah, hacker! Hacker! Et laissez-moi, ça en fait où? Sortez-nous cette liste-là. Sortez-la. Il paraît qu'il... Ça fait combien de temps? Il veut faire le remaniement. Sors la vraie liste là. Vous allez nommer les gens là, 2, 3 mois. Peut-être il y a un porte-bonheur parmi cette personne là qui va sauver votre pouvoir. Pour l'instant là, c'est que des hatatouais. En tout cas, les hatatouais ont plus de force. Les porte-malheurs ont plus de force dans votre affaire que les Les porte-malheurs ont plus de force que les porte-bonheurs. Sinon, on n'allait pas être là aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils comprennent. Doussou, pourquoi vous m'avez regardé ma souris? Il y a 50% nara. Et 98% dans bar. Et nous 2% dans tout l'ouvre. Pédé gouvernement dit. J'ai dit Nali, et Bala, et Nyako Nyako Mouye, et Pile Mofun Toufé. Maman dit Mouya Mouye, c'est Foukarafé. Amara dans Wassifé, non? Anou Maman dit Anoundi. Mais comment? Comment ils vont faire? Hein? Alors les gens là que vous avez bloqués là, ah, on dirait qu'ils sont forts, gros. Yatigi, comment tu vas? Wallahi, wallahi, Yatigi, c'est vrai, ça fait longtemps. J'étais à votre centre-ville le matin, là, c'est pas mal, hein. Je me suis un peu promenée là-bas. J'ai pas trop l'habitude de marcher maintenant. Le poids et tout. Bah, pourtant, nous sommes à côté du théâtre ici. Mais je sors pas trop. Wallahi, Ousmane. Donc, Wallahi, vieux Komara. C'est-à-dire, qu'Allah m'excuse, qu'Allah me pardonne. Pourquoi les vilaines personnes font les vilaines choses? Le vieux monsieur là. C'est-à-dire, comment il a débarqué dans l'affaire de CNRD là? Mounanantoum Kolong, Aïra. C'est vous, depuis. C'est vous, vos papas qui sont bénis. Awa,
Il me semble que vous avez bloqué quelqu'un sur la liste-là. Lui, son papa est bénigo. Et lui-même, il est béni. Hein? Je ne sais pas qui c'est. Mais vous allez sortir ça, Inch'Allah. Parce que là où vous êtes là, quand vous allez finir avec votre réanimement, moi aussi, je suis caqué quelque part, je vous attends. Vous allez finir avec les Simbofeo. Nous aussi, nous allons engager pour nous. Inch'Allah. Parce que vous, vous pensez que vous êtes intelligent. Mais vous vous êtes piégé dans votre propre piège aujourd'hui. Vous êtes dans votre propre piège. Ceux que vous enlevez au pouvoir disent que vous êtes ingrats. Ceux qui vous ont aidé, vous les avez liquidés. Hein? L'affaire d'ingrats là. Je n'ai rien dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dedans? Toi, Amara Kamara, je sais que tu me regardes. Je n'ai pas fini avec toi. Je parle déjà de la liste de nos frères et sœurs que vous avez usurpés et bloqués. Toi, je reviendrai spécialement, Inch'Allah, pour toi. Parce que tu sais déjà, tu as toujours su. Quand on vous dit éviter cette dame, vous n'avez pas compris. Quand on te dit d'éviter une personne, c'est d'éviter d'avoir des problèmes avec la personne. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense être juste. Mais je peux me tromper. Mais la plupart du temps, j'essaye d'être juste et équitable. Si tu es là où tu es aujourd'hui, 100% c'est pas moi, hein? Mais moi aussi j'ai mon petit pourcentage dedans. Dessous. J'ai mon petit pourcentage dedans, Amara Kamara. Mais il paraît que tu me détestes vrai. Que tu me détestes d'une manière qui n'a pas de nom. Donc je viendrai te poser la question. Avec des détails croustillants. Pourquoi tu me détestes tant? Pourtant, je suis l'une de tes bienfaitrices. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas dissocier les CNR de Marie Sissoko. Non, ce n'est pas possible, Inch'Allah. Donc, je vais revenir, Inch'Allah. Ce que tu évitais là, c'est ça qui va approcher là bientôt. Comme tu es général, peut-être tu vas aller régler ça ailleurs. Ou alors tu vas sortir la vraie liste et vous allez vous excuser. Toi, tu ne peux pas être là où tu es là. Et que les Fonikè Mengè passent tout ce temps là en prison. Non. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants et ingrats et mauvais. Toi, tu as la présidence là-bas. Il paraît que avant même, ça a un peu baissé. Avant même, quand Mamadi Doumbouya même doit faire ses yeux comme ça là, c'est toi qui dis, il faut faire tes yeux comme ça. Chaque chose a une fin et son temps. Mais toi, Amara, tu mérites ça. Par rapport à quoi? C'est quel rôle que toi-même tu as joué pour que vous arriviez là où vous êtes? Et que tu as joué tout ce rôle-là et qu'aujourd'hui vous êtes incapable de décoller. Normalement, là où tu es là, les choses ne doivent pas se passer comme ça se passe aujourd'hui. Mais vous êtes là-bas, si ce n'est pas affaire de femmes, c'est affaire de femmes. Si ce n'est pas affaire de femmes, c'est affaire de femmes. Les femmes là vont vous tuer. Vous les avez trouvées dedans. Chaque quelqu'un qui vient, ils viennent derrière, c'est les mêmes. Ça ne va pas changer. Quand vous allez quitter là, les autres qui vont venir, ils vont aller là-bas aussi. Qui perd? C'est vous qui perdez. Quand les dadis sont venus, ils sont partis là-bas encore. Dadis est en prison aujourd'hui. Les Kassori sont en prison aujourd'hui. Les Damaro sont en prison aujourd'hui. Ça, c'est leur comme Astafurlet, c'est comme une religion pour eux. C'est vous qui perdez. C'est vous qui allez regretter ce que je vous dis aujourd'hui là. Sinon, toi, tu ne peux pas moi me détester. Ah ben, parce que je ne comprends pas. Ah, mais le monsieur là ne veut pas même pas entendre mon nom, il paraît. Il paraît qu'il ne veut même pas entendre mon nom, hein? Ah, comme Allah sait faire les choses. Tu penses que quelqu'un va t'enlever dans mes mains? Sur Facebook ou ailleurs? Ça m'étonnerait. Très fort. Inch'Allah. Parce que vous me devez. Ouais. Quand on insultait ma maman là, toi, on ne te connaissait pas. Non. On ne te connaissait pas. Mais nous sommes dessus. Qu'Allah nous aide. Parce que lui aussi, il peut toi aussi t'aider. Hein?
Mais je pense que dans cette position-là, il va préférer m'aider moi. Il y a des gens qui se sont battus pour que vous soyez. C'est un virus. Merci. Merci beaucoup. Kadi Oussoussidibé, merci à toi aussi là-bas. Amara, c'est un vrai virus, mon frère. Merci. Toi aussi, tu as amené ça. C'est le commentaire là qu'on attendait. Un vrai virus. C'est pourquoi il maigrit là. On a remarqué qu'il maigrit avec sa bouche de cannabiseur là. Amaraba. Gawalba. Ils ont les mêmes genres de bouche. Biringembeya. On va avancer comment? Nous allons aller où? Mais vous représentez, quand je vais dire ça, les Guinéens n'aiment pas que je dise ça. C'est eux qui guident Mamadi. Mais ils ne l'aiment pas. Mamadi Moura Fouma. Amour Omar Fadi Ouma. Allah Ragnem. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ragnem. Mamadi Nouya Hona débarrassé de Oura Sindi. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou Mamadia. Avant de débarrasser de Oura Sindi. Bien, nous attendons ta moura folo. Et nous avons volé maintenant à mourir en famille. Il faut s'aller mourir en famille. Donc, qu'Allah nous aide, qu'Allah les aide à se débarrasser des. Qu'Allah aide Mamadi Doumbouya à se débarrasser des mauvaises herbes. Mais lui-même, c'est une mauvaise herbe. C'est ça le problème. Mais 10 mauvaises herbes et 5, ce n'est pas pareil. 5 et 3, ce n'est pas pareil. Peut-être qu'il va s'améliorer. Allah se le sait. Moi, je ne peux pas savoir ça. Mais en attendant, sortez la vraie liste. Sinon, nous allons la sortir. Inch'Allah. Si on la sort, ça sera autre chose. Moi, je ne me bagarre pas dans le vide, go. Walaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou, mon frère. Comment tu vas aller? Je ne me bagarre pas dans le vide, de. Je me bats, c'est pour gagner. Qu'Allah me fasse gagner. Qu'Allah fasse en sorte que les gens que vous avez perdus de vue là, qui vous amènent le nour, pour que ceux-là viennent, vous avez déjà mangé un an et demi dehors maintenant. Il faut partir maintenant. Amara, toi, tu ne peux pas changer. Je ne pense pas si toi, tu peux changer. Qu'Allah te change. Qu'Allah vous change. Vous êtes dans vos bureaux là-bas, des villageois, des vrais villageois, des vrais idiots du village. Vous savez, idiot de ville là et idiot de village font deux. L'idiot de la ville a un autre comportement. L'idiot de la ville et le village et un comportement qui est mara. Ville d'Ari Bestilirne. Village d'Ari Tangbirakarne. Et Tangaboulaya kine. Sinon, tu n'as jamais imaginé. J'en ai fait une vidéo un jour. Je t'ai expliqué, toi, Mara. Je vais revenir, Inch'Allah. Je t'ai expliqué ce qui s'est passé au temps de Dadis. Cela est passé. Aujourd'hui, tu as un niveau que tu n'as pas imaginé. Calmos. J'ai dit, calme-toi. La vidéo est là. Les gens t'attaquaient beaucoup. Moi, je ne me presse pas. Je ne me presse pas. Je ne me bats pas au rythme de la lutte de quelqu'un. Je me bats à mon rythme. Ma force, c'est que ma force supporte là. C'est là-bas que je vais pour ne pas perdre. Je ne t'influence pas. Il ne faut pas m'influencer. Ce que je te dis, si tu penses que c'est vrai, tu fais. Si tu penses que ce n'est pas vrai, ne fais pas. C'est tout. Je n'impose pas. Je n'ai même pas. Tout ce qu'on dit sur moi là, je me vante, je suis ci, je suis ça. Mais est-ce que je me vante que j'influence? Non. Je ne me vante pas de ça. Parce que si je te dis que je t'influence, c'est-à-dire que je te vois comme bête quoi. Mais il y a des gens qui me regardent ici qui sont plus intelligents que moi. Seulement, ils vont me donner une force en validant ce que j'ai dit. Ils appuient ce que j'ai dit. Ils ne peuvent pas s'asseoir ici pour parler. Ils ne peuvent pas écrire. Parce que bon, c'est pas leur truc. Mais moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui est plus intelligent que moi que je suis en train de l'influencer. Mais ça, c'est bête. Il y a des gens qui parlent ici, qui n'ont rien à la tête, même les influenceurs. Moi, tu influences qui? Celui qui te regarde, il te regarde pour plusieurs raisons, mais tu n'es pas forcément plus intelligent que lui. Certes, il y a des gens qui nous regardent, qui ne sont pas intelligents, mais bon, ils ont le libre arbitre de valider ce que Marie Sokodi a dit, donc quitte ici, c'est faux. C'est son droit. Non, avec tout mon mari Sissokoya là, tout mon boucan là, tout mon bruit là. Non, 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 ça là, je n'ai pas la faculté là. Même ce que j'ai dit là. Le CNRD veut faire, ils font. Ça va rétablir certains de nos frères dans leurs droits. C'est une forme de justice. Qui qu'ils soient, moi je ne les connais pas forcément. Non. Quand ça va les rétablir dans leurs droits, peut-être ça peut changer les choses. Ça va jouer sur les prochaines élections. Parce que c'est ça le gros problème. Les militaires là veulent mettre ça en stand-by. Il ne faut pas jouer avec ça, hein. Moi,
C'est pas mon problème, hein. Je vous dis, moi, j'ai pas de parti politique. Mais il risque de vous faire tourner. Mamadi quitte, l'autre vient, l'autre quitte, l'autre vient. Et ça tourne. Tout est militaire. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, 10 ans. Ça, c'est un autre problème, ça. Comment les déloger? Un autre militaire va déloger un autre pour s'asseoir, 2, 3 ans. L'autre va dire, ah, mais moi, je suis Modiba. Vous connaissez comment le Guinée réfléchit? Ah, moi aussi. Toi aussi, quitte. Moi aussi, je vais venir m'asseoir. L'aéroport de l'Ukraine, tu fais quoi là-bas? Bobs, 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 Bobs Bad Love. Amara Kamara, c'est un vrai fanfaron. Ah bon, hein? Ah, Amara, tu as vu, non? Il ne m'aime pas, hein? Il paraît qu'il ne m'aime pas du tout. Ah, il doit être là-bas, Thomas. Mais moi, c'est. Mais les Guinéens, est-ce que vous pouvez m'aider à lever certaines foutaises sur moi? Moi, j'ai trop de foutaises, go. Allah, Akbar. Amara. Je ne dis rien. On reviendra, Inch'Allah. À bientôt. Merci pour les partages et pour les commentaires. Qu'Allah fasse que les gens qui ont été usurpés et falsifiés, si on peut dire falsifiés, je ne sais pas si c'est un mot français, qu'Allah fasse qu'ils retrouvent leurs droits. Pour, peut-être ça pourra aider le pays. C'est une forme de justice. Moi, je ne les connais pas spécialement. Qu'Allah fasse que Mamadi Doumbouya, certes, lui-même, il est très, très injuste. Allah ne guide pas les injustes. Qu'Allah fasse le rentrer l'humour dans sa vie, dans son cœur et dans son âme, illumine son entourage pour qu'il sache qui prendre, qui ne pas prendre, essayer de retrouver la liste qui a disparu, et la liste a disparu en cours de route, d'un autre bureau à un autre bureau, quoi. Ah, Amara, c'est le pire ennemi de Doumbouya. Je ne vais pas te dire que c'est faux. En tout cas, moi, il ne m'aime pas. Amara, c'est un vrai villageois, Moussa Souma. Ah! Yenab Kanté, merci beaucoup ma chérie. Amara, il n'y a personne qui parle du bien de toi ici. Hein. Dans les commentaires, je ne peux pas tout lire. En plus, si moi, tu ne m'aimes pas. Depuis le Sahara, Maroc. Ah, Sobane, c'est là. Ah, ok, Sobane, Anadibo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Awa, alaga soné, araba, meni, alaga sembefi, muslimi, dibirima, alaga sembefi, ma yamfantea, yo magrere, muslimi, rumma, alaga tan yamfantea, kana, alaga sembefi, dine l'islam, rangere ma soufi, alanambe, alaga sembefi, ma yo, maya yo namfari. C'est à dire, nere wa ma foute fe, maye ramma, bere ramma, yo yo ranto, yenge, kit sa, mingena, alanana, ha kiti sa. Et l'on nous dalil yo, utilise fe, alanatan, l'on inatan dalulida. Tamana. Alane kanyida, alanan tamfantanta. Atana kolo na han nan sondo nu nyani genu boye mu kharli ma tana kolo wobiri na han na wobiri o sondo nu nyani genu kharli nu boye ma mba ala kan ye parce que o tan ngaji la gine fi konto fili yo mu na gira o ra fogi fe ntan gi muslimu ya fe nara o tan abo ba de ra abo na dera amba mamari nu ya nan to na ji sakanyi ala ka gide ala ka badimi ana ko biya birin na langira ala ka badimi. Parce que Rabou Badimi, démocrate et Nantoro. Démocrate et Nantoro, la majeure partie de la population, démocrate et Nantoro. Donc, comme vous avez démocrate, fille, yama, mon évora, Arabou Adeora, Avantambe, quand on a un sacre, yare, ben on a un fawabe, ou kataoura yaba, alako, liste vrai, vrai, kamini. Le vieux malhonnête Komara, sors-nous notre liste là. Il faut sortir la liste là. Ces jours-ci là, Il faut faire des trucs sur la liste là, hein? La liste là n'a qu'à sortir. Les gars, voilà, vous êtes amortis, c'est bon. Vous tous là-bas, majeure partie, votre argent, vous avez déjà bouffé. Il faut partir maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Issoari, merci Elias, merci. Amina, Amina, qu'Allah vous protège et qu'il vous récompense tous. Hier, je voulais faire ce direct là, mais... Je dis, je suis à joindre quelqu'un, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, vaut mieux éviter. Demain, Inch'Allah, ou après-demain, je ne vous ai pas oublié, hein, on est dessus. On va essayer ce remaniement, on va aller progressivement après, si ça ne se fait pas, nous allons commencer à les attaquer. La liste, les gars, on doit dégager. D'accord, il faut, chacun n'a qu'à travailler dans ce sens. Et puis... Regardez, même ceux qui se sont battus sur les médias sociaux et tout, c'est pas eux, hein. C'est pas eux qu'ils ont récompensé, c'est pas eux qu'ils ont appelé. Bon, moi je ne parle pas spécialement pour moi, je parle pour tout le monde. Hein. Bon, après il y a des gens qui sont passés par d'autres méthodes et tout, ça c'est pas sérieux quoi. On a eu 3 vagues
il y a eu. Il faut regarder la vidéo. J'ai déjà répondu par rapport à Dr. Fakoly. Moi aussi, je le cherche. Il y a trois catégories de personnes qui se sont battues contre M. Alpha Condé. On peut dire comme ça. Il y a des gens qui se sont complètement tués. Complètement, qu'on les a fait taire complètement. Ça, c'est une première vague. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas battus. Ça veut dire qu'ils se sont dit que c'est peine perdue. Ce monsieur va mourir là. Ça sert à rien de se battre. Il y a un deuxième groupe. Bon. Qui se battaient, qui ne se battaient pas. Il y avait un troisième groupe, c'était nous qui étions comme des fous, mais on était complètement fous, on n'était pas nombreux, mais bon, voilà quoi. Même, j'ai un vieux téléphone ici, c'était avant-hier, j'ai vu un truc de. Attends, de là où je suis avec Agi. Attendez, je crois que je l'ai quelque part ici. C'est pas ici. J'ai vu ça quelque part, je sais plus. Un 4 juin là, Agi et l'enfant de Kania et moi, bon, qu'on avait fait un débat et tout, ça c'était les dernières personnes qui s'accrochaient comme ça. Bonsoir Madame Sissoko, qu'est-ce que vous dites sur le procès du 28 septembre? Est-ce que la justice va faire son travail bien pour sortir? La vérité. Bah, tu vas être déçu. Moi, je vous dis, je ne crois pas trop à la justice des hommes. Hein. Tu sais, tout ce que je fais là, c'est avec beaucoup de doigts ou que je fais. Hein. Voilà, c'est avec beaucoup de doigts ou que je fais. Qu'Allah me guide, qu'Allah me guide. La justice des hommes, je ne crois pas trop. Pas trop, pas trop. C'est pourquoi là, il faut qu'on passe par plusieurs méthodes, faire des invocations, faire des prières. Parce que sinon, ça ne peut pas le faire. Hein. Par quelle méthode nous allons passer? La justice des hommes, c'est les avocats. Si tu as un bon menteur bien payé, il transforme ton mensonge en vérité et vice-versa. Mais même si tu vas voir l'avocat ou même si tu vas à un tribunal, il faut mettre Allah dedans. Il y a des versets, il y a des hadiths, il y a des sourates, il y a des prières à faire. Quand toi aussi tu vas quelque part. Et c'est-à-dire, tu mets la justice des hommes en deuxième plan. Ça, c'est dans ton cœur et dans ton âme. Ok, j'y vais. J'y vais. Mais Allah seul sait. Allah seul peut me donner la victoire. Comment j'ai fait? Tel prophète, quand il a eu telle injustice, il a lu ça. Tu le lis honnêtement. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, c'est comme ça que je fais. Et je le lis en français. Wallah, souvent ça marche. La plupart du temps, mashallah, ça marche. J'ai découvert un truc. J'ai expliqué à quelqu'un qui est dans le direct ici. Je lui ai dit. Et il va m'appeler quand je vais finir. Il va le valider. Je lui ai dit ce qui allait se passer dans ce direct là aujourd'hui. Wallah. J'ai découvert une sourate incroyable. Et il y a des sourates, des versets qu'on me donne. Les gens me disent de ne pas les publier. De ne même pas l'utiliser sur quelqu'un. De ne dire le nom de personne. De le lire comme ça globalement. Mais ça fait des dégâts. Ah non, non, non. Ça fait beaucoup de dégâts. La justice des hommes, il faut faire très, 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 très attention parce que. Si tu mets ça en avant, tu mets tout notre problème. Nous, on appelle Allah quand c'est chaud. Mais il faut l'appeler directement. Je ne regarde pas trop Roméo Remou. Non, je ne regarde pas trop Mamou. Je ne regarde pas. Bon, est-ce que Toumba est sincère aussi? Je ne sais pas. Et puis c'est un ancien tueur aussi. Si c'est sincère, ça marche. Je ne regarde pas trop. Moi, je ne regarde même pas trop beaucoup de choses. Hein. Je regarde ce qui m'intéresse. Ce que je dois. C'est comme pour les vidéos et toutes les choses. Je vous l'ai dit. Moi, même quand les publications que je fais là, je fais les invocations avant de faire ça. Hein. Allah guide-moi. Bonsoir, bonsoir, Wassamba. Comment tu vas, mon frère? Je lui dis quel hadith je dois publier aujourd'hui. Je vais chercher, 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 chercher ce que je dois publier net. Je vais publier ça, je vais voir après que ça correspond à quelque chose. C'est pas moi qui ai fait, hein. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, moi je ne sais pas comment vous expliquer cette histoire-là. Allah est fâché contre la Guinée, Jibril Talib. On a même dépassé le niveau là. Mais quand je dis ça tous les jours, ils ne veulent pas entendre ça. Ça ne m'empêche pas de le dire, je vais le dire aussi. Maintenant, si on a des petits micmacs pour les aider. Mais on va faire ça parce que la fois dernière, beaucoup de personnes m'ont appelé. Oh, toi, tu dis que si ce n'est pas ton sujet, si ce n'est pas l'affaire d'Islam, là, tu ne parles pas de la Guinée, quelqu'un ne doit pas. N'y a-t-il pas ça? Retomber la faute sur moi. J'ai dit non.
Mais si Allah t'a montré quelque chose, Allah t'a donné un petit savoir, toi tu veux cacher ça. Hein? Toi il faut parler même s'ils ne font pas. Vous savez, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des gens aussi qui appellent derrière, qui sont de tous les côtés. Il y a des gens du privé aussi, tes connaissances, qui n'apprécient pas certaines choses que tu fais ou que tu dis. Si tu peux aider, il faut aider. Oui, à cause de l'injustice, malheureusement. Donc, qu'Allah nous aide. Moi, je vais terminer toujours par ça. Qu'Allah donne la victoire à l'islam. Si je me bats pour lui, qu'il me donne la victoire. Ceux qui se battent pour lui, qu'il leur donne la victoire. Ceux qui sont dans les ténèbres, qu'il les sorte des ténèbres, qu'ils mettent le nour dans leur cœur, dans leurs âmes et tout. Merci, merci. Kabine Anadigo, comment tu vas, Bangoura? Ça fait pitié. Ça fait très, très pitié. Ma maman, comment vas-tu? Ma maman, c'est pas numéro est Nira, Mama. J'arrive pas à retrouver certaines personnes. Walaikum salam alaykoum. Le Gabonais, comment tu vas? Le Gabonais, comment ça va au Gabon là-bas? C'est fort gentil. Regardez le Gabon. Très propre. J'ai passé une année scolaire là-bas. C'est très, très propre. Très, très, très propre. C'est une petite France. J'aimais pas le côté français là. Je ne sais pas si ça a changé. Oui, c'est pas facile, Barry Best. C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon. C'est comme ça. Quand les religieux vont les voir, ils n'ont qu'à leur dire comment Rasoul paix et salut sur lui faisait. Qu'ils s'inspirent un peu de ça. Oui. Ah, nous, on se tue tous les jours. Ah ouais, il faut m'appeler. J'ai des numéros. Khalimama, Makolo Mandara. Awago, à bientôt, Inch'Allah, la sonne à Rabat, la Roumbadini, Yannour, la Guinée Badini, Roumbadini. Merci, merci, papa, merci. Et papa, tu avais disparu, c'est hier que je t'ai vu. Tu étais où, toi? Ok, Lamine, merci beaucoup. Hein? Merci à vous tous pour les partages et pour les commentaires. Je suis obligée de parler de certains sujets parce que, bon, moi aussi, on me frappe derrière, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Sais pas quoi faire, il y a des trucs, je me dis, c'est pas moi, personne ne défend ma cause, moi personne ne me défend. Donc on dit que c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est Allah qui va me défendre. J'ai dit ah ouais, je laisse Allah me défendre, alors que Allah va mener des gens pour ça. Ah ouais. On attend ça. Oui, justement, la majorité ne dit rien. Mais papa, je te voyais pas. À bientôt, Inch'Allah. Hein? Merci. Les doigts et les invocations, là, si vous pouvez les partager, il n'y a pas de problème, il faut les partager. Qui m'envoie les messages, là? Je vais regarder ça après. Merci beaucoup, ma maman. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'assiste, qu'Allah vous assiste tous. Voilà, les prières, les jeûnes et tout. Il faut insister là-dessus parce que ça purifie l'âme, ça fortifie l'âme, ça fait la connexion avec Allah. Il ne faut pas couper la connexion, quoi. Il faut que ce soit toujours. Iblis est là. Vous savez, moi-même, là, quelquefois, il rentre, je le fais sortir rapidement. Mais avant qu'il sorte là, j'ai déjà fait. Donc, il faut pas négliger les histoires de tout ce qui est prière et jeûne et tout, les bonnes œuvres. Voilà, chacun à son niveau. Les filles, se rapprocher d'Allah, vos soeurs, vos épouses, il faut, même s'il faut de temps en temps, surtout les frères et les soeurs, les époux, c'est compliqué. Mais les frères peuvent mettre une petite pression sur les soeurs. Merci, merci Sidi Dansoko. Merci beaucoup. Donc, pour que vos soeurs arrêtent avec. Doussoungeli Imoma. Ma voilà, à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Ngeli Imoma. Merci, Gabi Ibrahim. Bonsoir à toi là-bas, retardataire. Ou bien, je viens juste de voir ton. Je viens. En tout cas, je viens de voir ton bonsoir. Hein. Peut-être que tu es venu en retard. Il faut beaucoup prier pour que les autorités fassent ce que Allah aime. Pour que la population fasse ce que Allah aime. Pour que Allah revienne en Guinée. Pour qu'on parte vers lui. Priez pour ça. Ah, la paix, quoi. On ne peut pas avoir la paix et la justice s'il n'est pas là, si on n'est pas avec lui. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Il faut que nous aussi, qu'on fasse ce qu'il aime. Toujours, Allah, donne-moi ci, donne-moi ça maintenant. À un moment donné, toi aussi, il faut lui dire que il n'a qu'à faire en sorte que tu fasses ce que lui aussi l'aime. Lui aussi, il veut ça. Afin de fait.
Wallah, qu'Allah aide nos sœurs en Guinée. Parce que vraiment, on dit qu'on a donné le sabbat aux femmes en Guinée. Regardez les filles, comment elles se comportent. Si c'est elles qui ont notre sabbat là, on est mal barré, les gars.